Alors, je voudrais juste commencer par un préambule. Et c'est vrai pour pas mal d'entre nous. Je ne suis pas philosophe, donc ce que je vais dire, ça vient plutôt des sciences sociales, ça vient pas de l'intérieur de la philosophie, donc c'est plutôt de la sociologie urbaine, de la microsociologie. Et donc, c'est en tant que non-spécialiste de Whitehead, avec tous les risques que ça comporte, que je vais essayer de raconter quelque chose, quoi, avec toutes les incompréhensions évidemment possibles aussi. C'est aussi extrêmement bien qu'on puisse écouter Didier Debèze cet après-midi. Je trouve que c'est quelqu'un de remercier aussi très fortement. C'est quelqu'un qui a énormément œuvré dans la diffusion de Whitehead en France. Et moi, je me suis appuyé sur deux de ses ouvrages qui sont très, très importants. Là, pas du tout, c'est qu'il a été cité beaucoup. Et un livre avant qui s'appelle Un empirisme spéculatif, où il redéploie en fait tout le processus et réalité de. Alors, deux, trois mots d'introduction, simplement pour que vous compreniez pourquoi je vous parle tel que je vais parler maintenant. Donc, avec Nicolas, avec Marc, et puis avec certains membres là à distance, on appartient à un labo qui s'appelle le Cresson, Centre de recherche sur l'espace sonore et l'environnement urbain, et c'est une équipe qui travaille sur la thématique des ambiances. Donc, oui. C'est vous en fait les ambiances, c'est ça Et donc, je vais vous parler de ça, justement. Et donc, en fait, on s'intéresse aux questions d'environnement sensible. Donc, la question sensible est évidemment très, très centrale pour nous, à la perception située, à l'expérience ordinaire et aux ambiances. Et en fait, s'intéresser aux ambiances, enfin, il y a une façon de le dire, mais c'est s'intéresser, je crois, à la manière dont on éprouve les situations de tous les jours. Et c'est aussi essayer de se rendre attentif à la transformation de nos manières d'être sensibles au milieu de vie. Et en fait, actuellement, je crois qu'on assiste aussi à une évolution de la thématique des ambiances avec une ouverture de plus en plus importante aux questions écologiques et aux enjeux socio-écologiques contemporains. Et donc, c'est un peu dans ce sens-là que j'ai lu Whitehead et que je trouve Whitehead pour nous extrêmement intéressant, parce qu'il me semble que sa philosophie peut nous aider à penser, d'une certaine manière, ce tournant écologique de l'ambiance. Alors, ceci étant dit, comment j'ai lu Whitehead? Alors, quand je lis, quand je dis Whitehead, aussi bien d'ailleurs que Didier Debèze, je me trouve à la fois en terrain connu et dans un monde bien étrange, composé de termes très énigmatiques. Vous l'avez lu aussi, je pense, je parlais, Nathalie a beaucoup parlé, les entités actuelles, l'appréhension, la concrescence, la causalité efficiente, le supergect, etc., etc. Donc, tout un langage, un vocabulaire, en fait, qu'il faut assimiler, qu'il faut essayer de comprendre, et donc il faut s'acculturer, et c'est loin d'être évident. Et en même temps, et c'est là où je rejoins complètement Nathalie sur le coup de cœur de Whitehead, en même temps, d'une certaine manière, cette pensée me paraît d'une certaine manière familière. Elle entre en résonance avec ce qu'on tente de développer dans une pensée écologique, ce que fait Nathalie, ce que fait nos ambiances, c'est-à-dire qu'il y a une sorte d'affinité assez immédiate, c'est-à-dire qu'il se passe quelque chose qui est au moins autant de l'ordre de l'intuition que de la compréhension précise. Et alors, par exemple, hein, sur des points d'argumentation très très basiques comme ça, l'importance qu'il accorde à l'expérience, c'est absolument évident, l'usage qu'il fait de la catégorie du sentir, du feeling, ou l'attention qu'il porte aux modes et aux manières. Ce sont en fait des choses, je crois, qu'on partage beaucoup entre Whitehead et ce qu'on essaie de faire au niveau des ambiances. Avec l'ambiance, en fait, on parle par exemple plus de perception située, de tonalité affective, de manière d'habiter, mais on retrouve d'une certaine manière des affinités assez proches entre son langage et celui qu'on essaie d'utiliser pour les ambiances. Donc tout se passe comme si Whitehead ne faisait que parler d'ambiance sans jamais la nommer explicitement. Enfin, moi, je n'ai jamais lu ambiance dans ce texte, si vous me direz si je me trompe, mais c'est inexistant d'ailleurs ce terme français, bon. Mais bon, on ne voit pas du tout apparaître l'ambiance dans tout ça. Et il me semble qu'il développe un cadre de pensée qui permet de prendre la mesure de la notion d'ambiance, malgré tout. Alors, comme si, d'une certaine manière, construisait un cadre de pensée qui nous permet peut-être d'approfondir ce que nous, on essaie de faire de nos ambiances, qui est paradoxal, puisque lui-même ne thématise pas.
Donc, une question traverse que j'ai à dire, en quoi Whitehead nous parle-t-il d'ambiance, au moins implicitement et indirectement? Que gagne-t-on à le lire et comment mobiliser sa vision du monde pour étayer une approche écologique des ambiances? C'est un peu la question que je me pose. Et donc, je vous propose un petit exercice, pas orthodoxe du tout, de tresser Whitehead avec l'ambiance, essayer de tricoter entre ces deux fils, de naviguer entre ces deux langages, c'est quand même très différent, tenter des greffes, faire pousser des boutures, c'est-à-dire de voir comment est-ce que ces deux domaines, en fait, essayent de se répondre. Donc, je ne vais pas lire Whitehead de l'intérieur, en mode expert, selon une lecture philosophique très serrée et spécialisée. Je ne vais pas le lire non plus de l'extérieur, selon une lecture désintéressée, ou en surplomb, ou à distance. Je vais plutôt le lire de travers, de biais, de façon, alors, pour le coup, très libre, très partielle, orientée, intéressée, en résonance avec ce domaine de recherche, les ambiances sur lesquelles on travaille. Bref, lire Whitehead à l'aune des ambiances. Alors, je me jette un peu dans le vide, son filet, à titre exploratoire expérimental. Donc, voilà, vous m'excusez, n'hésitez pas à intervenir pour me dire toutes les erreurs que j'ai pu commettre de compréhension de cette pensée-là. Alors, je reconnais tout d'abord l'élaboration d'une pensée non substantialiste qui accorde le primat au processuel et au relationnel. Le monde n'est pas composé d'objets, mais d'événements, d'entités actuelles, de sentir, de préhension. Comme le remarque Michel Weber dans son article qu'on a lu, il s'agit de donner droit de cité au vague et à l'indifférencié. Et l'ambiance s'inscrit parfaitement dans cette vision du monde, dont elle procède aussi de phénomènes dynamiques actifs, de puissances affectives multiples. L'ambiance est bel et bien de l'ordre du diffus, du poreux, du gazeux, du tonal, du prégnant. Autant de caractères qui peinent habituellement à se dire, et qui peuvent trouver un lieu de reconnaissance et d'expression avec Whitehead. Sans doute avons-nous besoin actuellement de sa philosophie, et ça c'est une hypothèse, est-ce qu'on n'aurait pas besoin de la philosophie de Whitehead pour donner un véritable statut, est-ce que j'irais jusqu'à dire un statut ontologique, à la notion d'ambiance? Dans le monde sensible de Whitehead, tout comme dans l'ambiance, il n'y a pas de place à la distinction entre le sujet et l'objet. Ça c'est évident en tout cas pour Whitehead, et le dictionnaire m'en discuter, hein. À partir de la question de la bifurcation de la nature. Alors, du côté de l'ambiance, l'ambiance est tout à la fois un sentiment du moi et un sentiment du monde, et pas de distinction entre le sujet et l'objet. Et chez Whitehead, c'est l'éveil sensible, le sense awareness, donc qui est traduit très souvent par conscience, mais j'ai préféré la traduction que j'ai trouvée, l'éveil sensible qui prime, c'est-à-dire la perception à l'état naissant, dans sa dimension génétique. L'événement percevant qui prend part au passage de la nature. La perception est donc toujours constitutive d'un procès en cours. Percevoir ne consiste pas seulement à identifier et prélever des objets clairs et distincts, opérer une coupe dans le procès du monde, sur le mode de ce que lui appelle l'immédiateté présentationnelle, c'est un des deux modes de la perception, c'est aussi et avant tout prendre part à ce qui passe et ce qui se passe. C'est être partie prenante du flux et du procès du monde. En termes d'ambiance, essayez d'arrêter de sauter d'ambiance et vous verrez tout de suite que ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Mais alors, la perception est indissociable d'un affect, d'une manière d'habiter le monde, d'une tonalité du sentir prise dans l'épaisseur du passé. C'est-à-dire, on va beaucoup parler, même si cette question des héritages est la reprise en fait. Et c'est ce que Whitehead va appeler le mode de la causalité efficiente, qui distingue justement du premier mode qui est l'immédiateté présentationnelle. Cette distinction qui est très importante, il me semble. D'ailleurs, Whitehead emploie le terme de préhension et non pas d'appréhension pour insister sur le fait que l'activité de capture et de captation en œuvre dans l'expérience sensible n'est pas nécessairement consciente, elle est bien souvent de nature non cognitive. On retrouve là deux traits principaux de l'ambiance, son caractère dynamique et temporel, et sa dimension fondamentalement pratique. Avec l'ambiance, je suis toujours pris dans un flux sensible chargé d'affect. Je pourrais peut-être se risquer à dire que la philosophie de Whitehead offre un cadre de pensée qui est particulièrement accueillant pour faire valoir la teneur atmosphérique de nos milieux de vie. Mais là où les choses se compliquent et deviennent intéressantes, c'est quand on commence à se pencher sur la notion centrale de feeling, de sentir.
Vous imaginez bien que les chercheurs travaillant sur les ambiances commencent alors vraiment à tendre l'oreille. Ici, au cœur du propos, l'ambiance se rapportant précisément au domaine du sentir, aux situations en tant qu'elles sont justement senties et éprouvées, et pas seulement perçues d'ailleurs. Avec le feeling de Whitehead, comme dans l'ambiance, on insiste sur les capacités à affecter et à être affecté. On a affaire à des tonalités affectives et des manières d'éprouver qui sont à la fois, qui sont à la base en fait, du monde en train de se faire, en train de se faire. C'est dire qu'on ne peut en aucun cas échapper à la relation affective qui se tisse entre un sujet en émergence et un monde se faisant. La lecture de l'idée de Bèze, en l'appât des possibles en particulier, va être à cet égard passionnante, particulièrement salutaire et absolument indispensable. Il ne suffit plus de dire que la pensée de Whitehead est congruente à l'approche des ambiances. On comprend très vite que le feeling de Whitehead nous conduit à revisiter en profondeur notre conception d'ambiance, peut-être même à la réformer. Je retiens ici deux aspects particulièrement importants. D'une part, on réalise que le sentir n'est pas l'apanage exclusif de l'être humain. C'est évident, le mot de l'ami est blessé. Un point très important pour nous aussi. Whitehead en donne des exemples. Les animaux, tout comme les plantes, témoignent d'une véritable capacité à sentir. Une fleur se tourne à la lumière, un chien tend l'oreille et se met aux aguets. On a affaire là aussi à des actes de préhension. Dans tous les cas, une variation du milieu s'opère, aussi infime soit-elle, un acte de sentir a lieu. Avec Whitehead, on assiste ainsi à une véritable généralisation du sentir. Généralisation du sentir à toutes les formes du vivant, et pas seulement à l'humain. Ça, c'est une leçon pour nous, je pense, aux ambiances. Alors que l'ambiance a été pensée jusqu'à présent comme l'exclusive de l'expérience humaine, on est amené à reconsidérer ce point de départ. Et si le champ des ambiances était beaucoup plus large et ouvert que ce qu'on a considéré jusqu'à présent. Tout se passe comme si nous étions arrêtés à mi-chemin dans l'ambiance. Nous avons toujours défendu l'idée de la diversité des ambiances. Pas l'ambiance avec un grand A, mais des ambiances avec un S à la fin. Nous parlons souvent d'ambiance au pluriel, d'ambiance architecturale et urbaine. Mais ne s'agirait-il pas dorénavant de tirer toutes les conséquences de la pluralité des modes de sentir eux-mêmes, tel que Whitehead en parle. Pluralité des modes de sentir. Et si l'ambiance ne se limitait pas à des modalités humaines du sentir? Question. En tout cas, une piste est ouverte qui nécessiterait de rapatrier le monde non humain au sein de la problématique des ambiances. Que gagnerait-on alors à parler de sensibilité ambiante dès lors qu'elle concerne l'ensemble des modes de sentir et engage aussi bien le monde humain, non humain? Une petite digression. Mais je pense qu'il faudrait revenir, et on a commencé à en discuter sur la question du vivant, effectivement, qui est très très intéressante et très énigmatique. Et je pense que là, on pourrait revenir pour nous aussi aux débats très intéressants qui sont initiés par des auteurs comme Wittenlich, comme Von Huskuhl, Plessner, Misacker, etc. Tout un ensemble d'auteurs en fait, qui s'interrogent sur la question du vivant, sur le lien entre le vivant humain et le non-humain. Donc ça, c'est un premier point, en fait, sur cette généralisation du sentir. Puis, d'autre part, le feeling de Whitehead s'appuie sur un renversement et d'un panier d'oxydonoté, et ça, c'est aussi un autre point que je trouve extrêmement intéressant et riche, un renversement du sujet, tout à fait original. Le sujet n'est pas premier, déjà là, préconstitué vis-à-vis d'un monde dont il s'agirait de faire l'expérience. Il est plutôt une résultante, une émergence circonstancielle, une manière d'être, de faire, de sentir. Et là, effectivement, les développements de Didier Debèze sur le sujet comme super-injatio est très, très éclairant. Et là aussi, une conception nous intéresse au plus haut point. Cette conception nous intéresse au plus haut point pour les ambiances. Car peut-être que c'est là le projet des ambiances qui trouve sa pleine formulation. En fin de compte, il s'agit moins de chercher à rendre compte d'expériences sensibles, subjectives, que de manière d'être sensible au milieu de vie. Donc là, il y a un déplacement de la question du sujet, qui n'est pas premier, et qui suppose pour nous, je pense, un déplacement de la focale. Donc, plus s'intéresser à des expériences sensibles qui seraient censées être subjectives, mais plutôt à des manières d'être sensibles. Il s'agit de partir à la recherche des variations atmosphériques du monde, de se mettre à l'écoute des tonalités qui infusent nos pratiques quotidiennes et nos expériences ordinaires. Bref, moins le ressenti d'un sujet
supposées données que des modes ambiants singuliers qui apprennent l'expérience. Et là encore, on pourrait apprendre de Brighton. Apprendre que sentir ne procède pas d'une pure réceptivité, on revient à la question de Nicolas, d'une pure réceptivité passive, mais implique un rapport intéressé au milieu, une activité de préhension, de sélection, de filtrage de ce qui est important. Mais encore, si sentir relève de ce que Whitehead appelle des phénomènes, des préhensions positives, je peux prêter une sorte d'égalité qui est faite, je crois, par Whitehead entre sentir et préhender positivement. Donc, si le sentir relève de ce que Whitehead appelle des préhensions positives, des actes de sélection, de prélèvement, d'intégration de certains éléments du passé, il ne manque pas non plus de parler des préhensions négatives qui excluent du sentir et restent à l'état de potentialité. Cela ne signifie pas pour autant que ces préhensions négatives restent lettres mortes et ne produisent pas d'effet. Elles marquent la réalité de leur empreinte et gardent en mémoire une trace de ce qui aurait pu être. Ce point peut sembler anecdotique, mais est loin d'être indifférent au niveau des ambiances. C'est dire que nous ne pouvons pas ne pas chercher à comprendre ce qui a été mis de côté, occulté, rejeté, escamoté, neutralisé par l'émergence d'une ambiance ou dans le passé. Autrement dit, cela implique peut-être une lecture plus politique des ambiances, dans laquelle il s'agit aussi de rendre compte de ce qui reste à l'état latent, à l'état potentiel. Il s'agit de considérer non pas seulement ce qui est apparent mais manifeste, mais explorer aussi ce qui aurait pu être, mettre à jour des conditions qui auraient pu rendre possible d'autres modes de sentir. L'ambiance ne fonctionne pas seulement comme un domaine sensible parmi d'autres, hypothèse en tout cas, elle peut être plus fondamentalement le lieu de formation des percepts anonymes et des affects impersonnels, si vous voulez reprendre un langage de Deleuzien. Quand des manières d'être et de sentir se naturalisent, deviennent ordinaires, vont de soi, se donnent sous le mode de l'évidence. Donc, il y aurait comme ça, hypothèse en tout cas, une capacité des ambiances à informer nos façons de percevoir le sentir et à naturaliser ces manières-là. Une des difficultés de la pensée de Whitehead pour un chercheur en sciences sociales est de savoir où et à quel niveau on peut trouver des observables à l'échelle de l'expérience concrète. Alors, évidemment, moi, quand je lis Whitehead, j'essaie de toujours me ramener à du temps empirique, à dire s'il nous parle de ça, il parle de quoi, du microbe ou de la ville, enfin, à quel niveau on est, etc. Donc, c'est un peu cette question-là que j'aimerais aborder finalement. Je voudrais terminer en faisant l'hypothèse que l'ambiance fonctionne comme un des observables possibles qui nous ramène au cœur de l'expérience commune. J'ai juste mentionné en fait, trois points. Chacun d'eux ouvre des pistes de questionnement et des enjeux en termes d'ambiance. Le premier point renvoie à la question du sentir. Donc là, j'en ai déjà parlé. Je pense que l'avoir déjà montré à plusieurs reprises, avec l'ambiance, on a affaire à la mise en avant de l'odeur pathique de l'expérience. Ça, on le dit souvent. Une ambiance relève d'un espace-temps éprouvé en termes sensibles. L'ambiance s'éprouve, dans autant qu'elle n'est à toi, et fait valoir la charge affective constitutive de toute expérience située. Mais alors, comme je l'ai indiqué, qu'est-ce que pourrait être une écologie des ambiances dès lors qu'on généralise le sentir au monde d'un humain? Peut-on encore parler d'ambiance selon une perspective qui ne serait pas humaine? Question. Par ailleurs, et là aussi, comme j'ai juste mentionné tout à l'heure, tout sentir est aussi une perspective sur le monde, une manière d'accorder de l'importance à ce qui importe et ce à quoi on tient. C'est ainsi que Whitehead nous invite à nous intéresser aussi à ce qui pourrait être. À cet égard, l'ambiance fonctionne aussi comme condition de possibilité de ce qui pourrait être, comme ouverture à des mondes possibles et à des manières de se sentir nouvelles. Alors, à quelles ambiances tenons-nous vraiment et à quelle écologie sensible nous renvoie-t-elle? Quelle forme de sentir souhaiterions-nous voir à venir eu égard aux transformations de nos milieux de vie? Deuxième point, qui renvoie à la question de la consistance. Alors, Whitehead se pose une question importante, comment s'opère l'unité du divers? Il insiste beaucoup sur la diversité, sur la multiplicité. Qu'est-ce qui fait tenir ensemble l'hétérogénéité des éléments qui composent le monde? Whitehead se pose explicitement cette énigme de la consistance du monde, car c'est elle qui permet de comprendre comment se forment et se maintiennent les sociétés.
Ne pourrait-on pas considérer l'ambiance comme un type de société, alors au sens de Whitehead, qui est très particulier, comme je l'ai déjà dit, si on parle moins de l'ambiance avec un A de manière indifférenciée, de des ambiances au pluriel, c'est précisément parce que le monde sensible donne lieu à des unités ambiantes singulières. Ça, je parlais tout à l'heure des blocs de devenir dont parle Whitehead, ou des gouttes d'expérience qu'évoque aussi William James. Mais cessons de passer d'une ambiance à une autre. Toute ambiance procède d'un mouvement d'unification et d'individuation qui fait tenir ensemble les éléments hétérogènes d'une situation. Alors, quand on parle, on pense à une ambiance, on peut penser aussi bien et à la fois et simultanément à un espace construit, à des pratiques sociales, autant qu'il fait, à des dispositifs techniques, à des formes de sociabilité, etc., etc. Et comment tout ça tient ensemble, après, dans une ambiance. C'est une question de la consistance. Avec l'ambiance, une qualité diffuse enveloppe et infuse l'ensemble des mondes environnants. Je reprends bien une qualité diffuse à la philosophie de John Dewey. C'est cette prise de consistance, cette tonalité qui permet de parler de cette ambiance-là, unique et singulière, se distinguant d'une autre. On parle alors de la puissance d'imprégnation de l'ambiance. Whitehead, de son côté, élabore les concepts de préhension et de concrescence, un autre terme très intéressant, je crois, pour décrire comment les entités parviennent à se connecter entre elles, à s'intégrer, à s'unifier finalement, à faire société. Mais alors, ne pourrait-on pas distinguer les sociétés, les territoires ou les situations en fonction de leur degré de consistance et de persistance d'ailleurs. Je ne vais pas parler de la question du temps, Nathalie l'a abordé, c'est une question évidemment extrêmement centrale. Hein. La consistance va aussi avec la question de la persistance. Certaines ambiances ne possèdent-elles pas un pouvoir d'emprise plus fort que d'autres? Ou bien encore, jusqu'à quel point les ambiances dans lesquelles nous baignons nous affectent-elles? Je termine avec un dernier point, la question des manières. Quand je disais qu'une ambiance relève d'une qualité diffuse, je sous-entendais que cette qualité diffuse actualise à chaque fois une manière d'être et de sentir particulière. Comme quand on dit qu'une ambiance est on l'a qualifiée délétère, amicale, apaisée, tendue, fusionnelle, etc., sont toujours une manière d'être, de sentir, d'interagir qui est mise en œuvre. Le monde se dote d'une certaine tonalité, toujours d'une certaine tonalité. En d'autres termes, l'ambiance donne le ton aux situations et opère une mise en forme de l'expérience. D'où l'importance donnée, par exemple, au rythme, aux allures, aux gestes. Et justement, chez Whitehead, les manières jouent un rôle fondamental dans le processus d'individuation du sujet. Cette notion de super-jet est effectivement très importante. Hein, le sujet en émergence et non pas préliminé. Les manières, question des manières de sentir jouent un rôle fondamental dans le processus d'individuation du sujet et dans la prise de consistance du monde. Et là, on peut se référer au très très beau chapitre de l'idée de Bess, qui s'appelle le maniérisme universel. On en a parlé, c'est possible. Le mouvement d'unification d'une situation vient précisément du fait que des composantes hétérogènes sont senties sous un même mode, selon une même manière. Une ambiance émerge quand une même tonalité imprègne l'ensemble des éléments d'une situation. On comprend ici comment l'esthétique, Nathalie en a parlé, c'est une question évidemment centrale aussi, une question centrale, comment l'esthétique devient tout à fait centrale dans cette vision de la nature. Mais alors, on peut se demander si ces manières de sentir ne sont pas aussi historiquement informées. Et là, c'est une question aussi que je me suis posée. L'histoire des sensibilités nous montre bien que nous ne sentons pas de la même manière au siècle dernier. Donc, il s'agirait aussi peut-être... une question qui peut se poser, c'est est-ce qu'on n'aurait pas aussi besoin de d'historiciser cette question de sentir chez Whitehead? Est-ce qu'on vit actuellement la pandémie nous affecte, en fait, et affecte d'autres sensoriums et les ambiances dans lesquelles nous baignons? Alors, n'assistons-nous pas à une montée en puissance du sentiment écologique? Et c'est une question. Et les transformations de la sensibilité ne conduisent-elles pas à un tournant écologique des ambiances? Un peu où on en est, et c'est pourquoi Whitehead, je pense, peut nous intéresser beaucoup.